Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, Charles. J'en ai un petit peu plein les mirettes, là, parce qu'on a vu beaucoup de très beaux intervenants, très variés aussi, sur cette question donc, qui nous concerne aujourd'hui. Pour ma part, je représente le studio Cheval Vert, qui est un studio de design graphique, de façon plus ouverte, un studio de design visuel. On travaille énormément sur les questions de représentation graphique, d'identité, mais aussi sur des questions parfois plus... on pourrait dire plus prospective ou de recherche liée à la question des données, leur représentation, l'interactivité aussi autour de l'image aujourd'hui. Je ferai un petit focus sur deux petits projets très rapidement par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une équipe déjà assez interdisciplinaire au sein du studio. On a à la fois des gens qui travaillent sur des problématiques de design graphique et des gens qui travaillent dont je fais partie, autour des questions d'interaction, d'installation et plus largement de design de système. Voilà, donc notre activité, en fait, elle est très très éclectique. On va des problématiques d'identité visuelle, comme tout graphiste, de création de logotypes, etc. Mais aussi, on se propage dans l'objet, dans l'espace, tous nos questionnements autour des problématiques graphiques. Nos clients peuvent être publics ou privés, culturels ou technologiques, c'est très ouvert. On a un rapport aussi au signe qui est particulier, puisqu'on l'intègre à la fois comme élément de représentation symbolique. Donc là, ici, c'est vraiment quelques images d'une identité pour le grand patrimoine Loire-Atlantique sur la réunion d'un ensemble de sites, dont le musée d'Aubray qui est en pleine rénovation. Et également, d'autres domaines. Donc là, on a créé une sorte de système de signes, de liants, qui permet à chaque laboratoire d'avoir son propre signe, tout en restant dans une écriture graphique cohérente et systémique, globalement. On a aussi des clients donc comme ce type de client-là, qui est un institut de recherche technologique, BICOM, pour lequel on développe un certain nombre de documents, et notamment aussi des objets de type pictogramme, qui nous oblige justement à réduire à l'état de signe une seule idée, et parfois une idée ou un peu plus que ça. Mais je m'arrête sur ce pictogramme-là simplement pour vous présenter la façon dont la conférence, je vais essayer de la mener. C'est plus une sorte de grande digression à travers un propos assez généraliste autour des questionnements. Donc des déchets notamment nucléaires, mais aussi des déchets, tous les artefacts en fait produits par notre civilisation, que ce soit les déchets plastiques et leur présence de façon globale et en tout cas planétaire. L'idée aussi, c'est de savoir comment transmettre une idée aux générations futures et comment pérenniser également l'ensemble des données, puisque les données, notamment données informatiques, puisqu'on en a une sacrée tripotée maintenant, et on parle de big data, on parle de données de masse, et en référence au disque de Saphir, comment ces données-là, il est peut-être intéressant d'imaginer pouvoir également les matérialiser, voire les fossiliser. Donc dans l'entrée traces et déchiffrant, j'aimerais évoquer des questions qui nous interrogent sur la question de la trace, mais non pas la trace mémorielle, mais aussi la trace vraiment dans sa matérialité, c'est-à-dire la mémoire du toucher, la mémoire des sens. Et au regard de notre époque où l'information est la plupart du temps, les trois quarts du temps quand même, visuelle, informatisée et numérisée, ça me semblait intéressant de repartir loin en arrière. Donc ça, c'est une image de jetons d'argile de l'époque mésopotamienne qui date à peu près de 5500 avant Jésus-Christ. Et cette image m'intéressait puisqu'elle montre à cette époque-là déjà comment le fait de travailler une donnée et de la rendre tangible pour être partagée, pour qu'elle soit transmissible, c'était notamment à l'échelle d'une main. On a toujours une relation aux données à l'échelle d'un corps, et là c'est à l'échelle d'une main. Et comment on parle donc du coup là de data physicalisation, c'est-à-dire de matérialisation des données sous la forme matérielle. Et ces jetons qui s'incarnent là, justement, dans l'argile, ils sont à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui la visualisation de données, c'est-à-dire la façon dont on peut
que ça aille du camembert au diagramme, etc., expliciter une donnée et la rendre simple, la réduire à l'essentiel. De nos jours, en fait, les données sont... On parlait de mémoire vive ce matin, mais les données sont éminemment vivantes, c'est-à-dire qu'elles sont animées, elles sont à l'écran, on les partage, on se les transmet. Et pourtant, il est intéressant d'imaginer aussi qu'elles aient un pendant physique, notamment dans la plupart, justement, des documents présentés tout à l'heure étaient notamment sur des matériaux qui étaient même... plus que du papier, qui était de la pierre et des choses qui, dans le temps, ont quand même une résilience assez forte. Ça, en 2013, c'est une image qui est extraite d'un workshop à l'école de Villefontaine, près de Lyon. On avait travaillé la création de fossiles de données, c'est-à-dire chaque étudiant travaillait sur un jeu de données, et donc à l'écran, à partir de captations, que ce soit de captation de pouls, captation de température. Et l'enjeu, c'était de donner une trace physique à ces données écran dans différents types de matériel, que ce soit du matériel plastique, du matériel lié à la pierre, au bois. Et l'idée, c'était de pouvoir la déchiffrer également par le toucher et prolonger sa pérennité, justement, en ayant un rapport autre que visuel. Donc on a fait des tests sur de nombreux supports et au contact de la pierre, ce qui était intéressant, c'est qu'on revenait, nous en tant que graphistes, à une pratique de gravure lapidaire, c'est-à-dire, donc là c'était fait avec un laser, mais il y a ce rapport très particulier entre technologie et données et matérialité qui crée une rencontre particulière. Ça, c'était un autre projet d'une étudiante qui est très très beau. En gros, elle a capté les battements de son cœur pendant quelques secondes. Et en fait, elle les a, donc elle appelait ça Lungwood, et elle les a justement vraiment intégrés dans une... Là, on en voit trois, mais on en a fait beaucoup plus, dans des sortes d'objets de bois comme ça, qui ont vraiment, quand on l'a dans la main, on a quasiment un rapport rythmique sous la pulpe du doigt, qui sort complètement en fait du rapport de la donnée écran, qui est, j'aime pas ce terme, mais qu'on peut considérer comme beaucoup plus froide, beaucoup plus rationnelle. Donc ça, c'est un extrait assez court d'un workshop qui avait été donné à Nantes dans la même veine, c'est-à-dire comment, à partir de cette idée de fossile de données, on peut déclencher une pratique, apprendre justement à matérialiser cette donnée en tant qu'artiste ou designer, et ensuite l'intégrer dans des objets. Donc l'intérêt, c'était qu'ici, on avait des problématiques liées à la pluie, liées aux marées, on était à Nantes, hein, il ne faut pas oublier, liées justement au souffle même, à des choses vraiment, vraiment immatérielles. Là, c'était quelqu'un qui avait travaillé justement sur l'enregistrement sonore, donc avec un principe de spirale comme ça, où le temps d'une chanson, l'input, on va dire, le volume du son est enregistré. Et bref, en fait, tous ces artefacts-là, qui étaient des artefacts du coup issus des données, avaient porté en eux une matérialité particulière. Voilà. Et esthétiquement, il y avait une esthétique justement très particulière due à la rencontre entre ce monde physique qui est d'abord numérisé, traité visuellement ou par le code sur l'écran, puis ensuite rematérialisé. Et cette idée de numériser le monde physique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est numériser quelque chose, c'est d'abord le découper, d'abord rompre en fait son entièreté, son analogie, en le découpant. Ici, dans ce projet, l'idée de recréer une continuité, donc concrètement d'un bloc diagramme, c'est-à-dire d'un terrain géographique, et de le réexploiter ensuite, donc de le numériser, puis de le réexploiter ensuite sous la forme justement d'une installation. Donc l'idée, c'était de recréer un monde dans lequel on peut voyager, interagir. Vous verrez que le temps suspendu, c'est un petit peu pareil, le projet. Et l'idée, c'était de recréer ce monde-là et d'avoir une multiplicité de représentations, une redondance, comme évoquait Charles tout à l'heure, parce que la redondance d'une idée, par l'image, par l'objet, par l'interaction, ça propose une expérience qui place le corps humain en fait, dans un état particulier, c'est-à-dire où la mémoire, elle se forge non pas seulement par l'apprentissage visuel, mais aussi par le fait d'être à l'intérieur de quelque chose. Cette installation qui s'appelait Mécané,
C'était en hommage un petit peu aux machines utilisées dans le théâtre antique qui amenaient les dieux avec une sorte de grue à moulinet comme ça sur la scène. Ici, en fait, on partait du principe que notre main avait une taille d'environ 500 mètres dans l'espace comme ça et qu'elle venait interagir sur tous les hydrométéores de l'installation, c'est-à-dire les nuages, la brume, enfin la présence de l'eau. Hydrométéore est un terme générique pour définir ça. Et donc, on avait justement travailler sur cette idée d'être devant un paysage qui nous dépasse, mais tel un demi-dieu, on va dire, d'avoir une implication sur ce paysage. Et c'est ce qui était sous-jacent dans ce projet, c'était de dire aussi qu'en tant qu'être humain, notamment à l'ère de l'Anthropocène, c'est qu'on a justement, de près ou de loin, une implication vis-à-vis de notre contexte, de notre environnement. Et donc cette implication va justement renvoie à tous les cycles de la vie, notamment nos cycles de déchets. Ce qui est très drôle, voilà, c'est cette image de Joseph Kossuth. Ce matin, justement, Charles, pour évoquer cette conférence, en montrait une autre. Mais cette image-là est vraiment intéressante dans la façon dont la redondance d'une même idée au sein de trois traductions, c'est-à-dire l'idée d'une chaise, dans l'image, dans l'objet, dans le texte, elle semble justement surdéfinir l'idée de chaise et en questionnant son essence. Et quand quelqu'un qui, notamment si on se projette dans le futur, tomberait sur cette image-là, il se poserait d'abord la question de justement qu'est-ce qui est entre ces différentes représentations. Donc le lien, l'essence et le sens de l'idée se trouve vraiment entre ces représentations-ci. Il faut reconnaître qu'une paire de ces traductions serait imperceptible pour un aveugle, quand une seule restera incompréhensible pour un analphabète, par exemple. Donc en fait, la redondance et la multiplicité des représentations, elles ont aussi cet avantage de donner une possibilité supplémentaire de traduction et de transmission. Un autre exemple bien connu dans la redondance, c'est la pierre de Rosette. Et justement, dans cette relation à des humains très éloignés, cette redondance-là, elle est aussi très importante. Là, il y avait une date qui est intéressante entre la découverte en 1799 et sa traduction seulement en 1822. On évoquait aussi avec les Mayas justement le temps de ce siècle et demi avant de commencer à comprendre un système, un langage, etc. Donc, enfin, cet exemple me semble intéressant. Par rapport à la conservation et la mémoire, il y a deux choses qui me semblaient aussi intéressantes à évoquer. D'habitude, en tant que designer, on me demande d'apporter des réponses. Là, j'avais envie de poser des questions. Donc, la question, c'était celle du sanctuaire et de la capsule temporelle. L'idée, c'est qu'autour des questions de conservation et de mémoire, il y a un certain nombre de sanctuaires anciens, souvent liés à la religion, où je pense vraiment que notre perception est en partie souvent faussée. Notamment quand on le découvre avant de l'avoir étudié. J'ai relevé différents types de sanctuaires. Donc on a des sanctuaires de ce type-là, donc c'est un complexe funéraire, justement à pyramide à degrés, donc c'est un sanctuaire religieux. Cette notion de sanctuaire, j'avais rebondi justement sur une ancienne conférence de Charles qui avait parlé quasiment, pourquoi pas, d'un clergé. C'est-à-dire si on parle de mémoire, c'était Thomas Seebach, c'est ça, qui avait évoqué cette idée de Samuel, qui avait évoqué cette idée de clergé, de faire vivre un lieu qui lui n'est pas vivant en soi. Donc un autre type de sanctuaire religieux où notre appréhension aussi est très particulière. On a encore du mal à définir ces alignements de Carnac, donc ces pierres. De la même façon sur l'île de Pâques, donc toujours sanctuaire religieux. On a un rapport toujours au corps et à l'être humain qui est celui-là évidemment évident puisqu'on est des êtres humains. Plus anecdotique, justement le palais idéal du facteur cheval. En fait, ce sanctuaire-là, je le considère comme un sanctuaire artistique imaginé par une seule personne, donc avec un point de vue vraiment subjectif. Et ça me paraît intéressant que ce type de sanctuaire justement soit cité, puisque en termes de mémoire, parfois, justement, dans certaines œuvres artistiques, le subjectif atteint l'universel. C'est-à-dire quelque chose de vraiment subjectif peut également parler à un très grand nombre de personnes, d'autres personnes humaines. Donc, dans cette idée de transmission, ça me semblait intéressant.
Et enfin, on a ces sanctuaires biologiques qui apparaissent depuis quelques temps seulement, enfin vraiment depuis qu'on a compris qu'on n'était pas dissociés, nous, de la nature, mais qu'on était vraiment à l'intérieur de la nature, et que même certains chercheurs, par rapport à notre composition bactériologique interne, explicite très bien qu'on a quasiment plus de bactéries en nous que de cellules du corps humain. Donc, qu'est-ce qui fait un être humain, qu'est-ce qui ne fait pas un être humain? Bref, j'avance. Tous ces sanctuaires ont deux choses en commun. La compréhension que nous avons d'eux n'est pas forcément la même que celle de leur créateur, même pour les sanctuaires biologiques, ceux qui décident qu'un espace est fermé. Et nous sommes toujours attirés ou au moins intrigués par eux. Il y a un article que j'ai découvert il y a quelques temps, donc il y a déjà certes pas mal d'années, mais c'était un article dans la revue Work That Works de Peter Bilak qui évoquait cette idée d'un équilibre délicat entre ces lieux-là, donc en parlant des lieux de stockage des déchets nucléaires, entre attraction et répulsion, et cet équilibre qui devrait être trouvé. Donc je suis tombé sur cette image qui m'a choqué, vous verrez ensuite pourquoi. Enfin choqué, ni positivement ni négativement, mais en tout cas ça m'a marqué. Donc elle était extraite de l'article, et c'est un des dépôts de combustible nucléaire en Finlande, le dépôt d'Onkalo. Et donc j'ai quelques infos dessus, mais je pense pas que ça soit forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, regardez bien sa physionomie d'un point de vue spatial et cette forme cylindrique allongée, on va la retrouver régulièrement. Donc jusqu'à présent, la meilleure solution, donc ça c'est un extrait que j'ai traduit du texte de l'article de A Message to the Future de Tim Manny. Jusqu'à présent, la meilleure solution à laquelle les chercheurs sont parvenus est un système de marqueurs durables et redondants. Tiens, on retrouve ce mot, qui communique l'emplacement des déchets nucléaires de la manière la moins ambiguë possible. Donc ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'ils évoquent le fait qu'on fonctionne sous forme de réseau, notamment, on évoquait ce matin, c'était le quatrième axe, je crois, à l'international, et également que donc, les auteurs du rapport Sandia, donc, qui était lié au projet WIP, suggéraient qu'un tel monument doit communiquer quatre grands messages superposés de complexité croissante au fur et à mesure qu'on avance à l'intérieur. Donc le premier, c'était attention, quelque chose de fabriqué par l'homme est ici. Le second, quelque chose de fabriqué par l'homme est ici et c'est dangereux. Le troisième indique donc quoi, pour quand, avec des informations un peu plus précises. Et enfin, le quatrième niveau, donc c'est des documents écrits, plus détaillés, des tableaux, enfin une générosité, on va dire, documentaire un peu plus grande. L'idée, justement, par ces différentes strates, c'est d'appréhender le projet, ce type de projet, par toute leur complexité sémiologique et sémantique. Toujours dans cette question de se dire, tiens, si les archéologues du futur regardent le système d'alerte des dépôts des déchets nucléaires, est-ce qu'ils n'auront pas peut-être la même réaction que nous ou que les premiers chercheurs ou les trouveurs, en tout cas en Égypte, dans les pyramides, par rapport aux inscriptions qui les mettaient en garde. En tout cas, si la redondance d'un message et ses multiples traductions en assurent une meilleure compréhension, ne faut-il pas envoyer des milliers, finalement, de bouteilles temporelles à la mer? Et là, j'évoque ces capsules temporelles donc, qui ont fait, durant le XXe siècle, qui existent depuis très très longtemps, mais qui ont eu un boom. Donc ça, c'est typiquement oui, je mets ce qu'on peut trouver sur Amazon. On retrouve d'ailleurs, à l'échelle micro, mais cette géométrie de cylindres comme ça en volume. Donc ces capsules temporelles, on peut les classer, c'est pareil, c'est intéressant, en quatre groupes. Les intentionnelles, les involontaires, comme à Pompéi par exemple, celles qui sont programmées pour être récupérées à une certaine date, donc 10, 100, 10 000 ans, et celles dont la récupération n'est pas programmée, comme par exemple certaines sondes spatiales. On les envoie et puis c'est une bouteille à la mer, mais on ne sait pas vraiment si la marée va les ramener. Et il y a un lien intéressant entre ces deux concepts de capsule temporelle et de fossiles de données. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer ce que pourrait engendrer, ce que pourrait engendrer l'association des deux. C'est-à-dire comment transmettre un message avec justement des typologies de matériaux variées et spécifiques pour qu'il y ait une traduction ou une appréhension graphique qui ne soit pas que visuelle, mais aussi dans l'atome même, j'ai envie de dire, et dans l'irrégularité de l'atome. En parallèle d'une communication au sens classique, et on se posait la question, l'article se posait la question de est-ce que justement le message ne peut pas être transmis dans l'héritage, dans un certain héritage écologique,
pour en perpétuer le futur. Dans le sens où aujourd'hui, la question de la mémoire vivante, c'est-à-dire de comment on perpétue une idée de façon biologique, de façon organique, elle devient de plus en plus prégnante. En gros, le paysage, la faune, la flore, ne serait-ce pas justement un sanctuaire biologique sur lequel compter ? J'ai trouvé une anecdote donc, sur deux sémioticiens. Vous me direz justement si c'est des gens sérieux ou pas, mais plutôt que de chercher à marquer les sites eux-mêmes, les sémioticiens Françoise Bastide et Paolo Fabri ont suggéré d'établir une compréhension culturelle de l'existence et du danger des sites, puis d'élever des plantes et des animaux artificiels d'alerte. Donc ces animaux-là porteraient des informations sur les sites encodées dans leur ADN et réagiraient justement à la radioactivité. Donc au-delà du fait que c'est possible ou pas, cette question de la mémoire vivante, elle a commencé à me... mémoire vive, elle a vraiment titillé mon attention. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là, mais sous un autre aspect. Donc là, je vais évoquer un projet que j'ai trouvé vraiment suite à une conversation complètement fortuite avec ma compagne qui est paysagiste, sur une étudiante qu'elle avait eue en stage, qui est une étudiante donc de l'école de Blois, qui a fait une étude justement sur le territoire conflictuel de Bure. Donc Lauriane Lucas, qui est paysagiste, donc c'est très récent, son diplôme, elle a proposé un projet manifeste sur la cohabitation justement des paysages agricoles, naturels et nucléaires, et contre le déclin aussi, dans certaines zones, de l'hyper-ruralité, terme utilisé souvent par les urbanistes pour exprimer de surenchère, en tout cas hyper-centre, hyper-ruralité, et également sur la mémoire des déchets radioactifs. Et son mémoire est trouvable en ligne, il y a une forme résumée qui est très intéressante, et ça se déploie donc sur des dates qu'elle a pu ou dû trouver, sur un peu plus de 100 ans. Donc son projet place la vie et la transmission au centre de son étude, en prenant un soin très très fort en tant que paysagiste à rythmer l'aspect social et culturel de ce qui se passe en surface. C'est-à-dire en s'appuyant justement sur l'agroforesterie, elle propose à terme une présence de forêts, on va dire, naturelles et sanctuaires, où la faune et la flore reprendraient sa place et où culturellement l'homme n'y aurait pas forcément la sienne. La présence des ruines de l'usine serait pas pleinement assumée en guise de mémoire du lieu. Et donc elle a un rapport à l'agroforesterie donc durant l'exploitation de CIGEO pour ramener la biodiversité qui est un vrai problème sur le site actuellement, par exemple, en tant comme pourrait l'analyser un écologue. Et par l'agroforesterie, par les relations économiques, sociales et culturelles, elle ramène justement de la vie à la surface, en ayant quand même une approche très, on va dire, candide sur certaines données, mais finalement, elle redonne à la forêt une place particulière. Et justement, autant à Tchernobyl, on en parlait ce matin, la radioactivité protège paradoxalement la forêt, car les gens ne viennent plus de peur d'y mourir. Là, c'est un petit peu l'inverse, finalement. C'est drôle. Ici, la forêt, elle devrait être protégée par les humains eux-mêmes, en termes de sanctuaire, pour ne pas, justement, que le souvenir de la présence des déchets s'érode. Et ces deux images ont été assez frappantes pour moi. Donc, à gauche, vous avez une vision, je ne veux pas dire une vision américaine, mais en tout cas, une proposition pour le projet du WIP qui proposait, justement, sur la surface, d'intégrer un matériau particulier qui augmenterait la chaleur du soleil pour la rendre justement inconfortable et donc repousser, entre guillemets, le passant, enfin le public. Alors que de l'autre, vous avez plus une sorte d'espace mémoriel vivant à perpétuer et du coup un héritage à donner, une transmission concrète de plusieurs hectares à transmettre. Et comme je le disais, si le projet a une forme de candeur, le rapport au vivant comme mémoire est particulièrement intéressant puisqu'il met en lieu, justement, en place toutes les problématiques aussi écologiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire notre rapport à la nature, le rapport aux déchets, au cycle de la vie, etc. etc. Vous me direz, est-ce qu'il ne vaut pas mieux parfois cacher complètement les sites, notamment les sites enterrés, pour que justement, comme certaines tombes anciennes, ne le soient pas découvert ? Pas forcément. Parce que justement, il y a aussi la problématique de l'évolution, parfois en dents de scie, parfois différente du progrès, qui fait que, par exemple, en 2011, l'image satellite de l'Égypte a révélé 17 pyramides perdues et des tombes. Et donc, en gros, c'est devenu depuis une cible
pour une attraction, enfin pas une attraction, mais en tout cas une cible pour les chercheurs, les fouilles, notamment pour tous ceux aussi qui rêvent, pourquoi pas, de découvrir un trésor lors de ces nouveaux lieux. Donc si on prend aussi en compte des technologies qui peuvent évoluer, les choses peuvent changer aussi, le fait de le cacher. Donc dans cette question de le cacher ou de mettre sur le tapis, je pense que ce n'est pas forcément une solution. Donc là, je vais aborder le temps suspendu. Après cette introduction là, donc c'est une œuvre pérenne qui a été proposée pour les 500 ans du Havre. Pour vous remettre en perspective, nous on est designer graphique, même si on a une équipe interdisciplinaire, etc. Lorsqu'on produit, il arrive qu'on produise des œuvres, des installations, mais sur des préoccupations, des problématiques qui nous touchent. Ça peut être la question du temps, de la lumière, ou comme ici justement de la mémoire subjective. Donc l'idée, c'était le commissariat. La ville du Havre, donc pour les 500 ans, avait proposé au commissaire Jean Blaise et à Kitty Hartle de mettre en place une forme de galerie. Au départ, une galerie photo des 500 ans du Havre avec des photos des habitants du Havre. Donc il y a une vraie question aussi du type, qui sont ces habitants du Havre? Est-ce que quelqu'un qui n'habite pas au Havre et vit dans le village à côté, mais voilà, est un habitant du Havre? Quelqu'un qui n'est pas né au Havre, qui y vit, est-ce que c'en est un? Donc il y a eu des réflexions intéressantes là-dessus. Et l'idée, au départ, c'était de construire un lieu, donc tout neuf, pour accueillir la galerie. Ça nous semblait surfait, en termes justement de moyens. Donc ce qui a été proposé, c'est justement de créer dans un lieu existant, bien particulier, avec déjà un caractère fort, une réflexion autour de la photo et de créer un sanctuaire visuel qui renferme justement cette mémoire subjective. Donc pour nous, c'était une forme de marqueur artistique temporel proposant une expérience, mais qui, elle, est intergénérationnelle. Le lieu, donc, c'était les jardins suspendus au Havre. Donc c'est un lieu qui se trouve justement légèrement en termes de niveau qui est surélevé par rapport à la ville du Havre, où il y a un jardin. À présent, il y a notamment des serres qui sont reconnues comme... j'ai perdu le nom, mais en tout cas un musée végétal, on va dire, enfin j'ai pas le terme, mais en tout cas c'est un jardin reconnu, et vous voyez à certains endroits, notamment en haut à droite là-bas, un monticule, puis un autre à gauche, enfin, qui est caché, et donc c'est des anciennes poudrières, parce qu'en fait ce jardin-là est un ancien fort militaire. Cette ancienne poudrière justement est tout à fait intéressante pour accueillir la galerie, puisque elle renvoie justement à cette image de lieux un petit peu cachés, de lieux fermés, enfin en tout cas de lieux de mémoire où on stockait avant la poudre. La première image de l'installation, donc c'est celle-ci. Donc c'est l'arrivée dans les lieux qui, vous voyez, avec des rochers qui tombent du ciel. Enfin, chaque fois que je vois l'image, ça me fait toujours peur. Mais en tout cas, c'est un lieu comme ça, très peu humide à ce moment-là où on l'a visité l'été, et où on doit mettre en place la scénographie, donc la mémorisation du lieu. Entre-temps, donc on a mis en place tout un process qui nous a permis de récolter à peu près 120 000 photos, donc avec un processus très simple, c'est d'ajout de photos par le web, mais aussi d'ajout de photos par des photomatons. Et autant sur les sites web ou par photomaton, on a pu récupérer, associer finalement, si vous voulez, à cette base de données-là, qui est de visage, des codes. Et ces codes-là, donc je vous en reparlerai plus tard, ils auront un sens par la suite. Donc là, vous voyez donc la base de données photo, enfin toute petite partie, puisque finalement, on a dû mettre en place un outil qui nous permette, pour accueillir ces 120 000 photos à peu près, d'avoir 1089 portraits par panneau, d'avoir donc 108 panneaux avec nos 117 612 portraits, et d'imaginer comment cette mémoire-là, vraiment d'une galerie de portraits, pouvait prendre part dans ce lieu avec une géométrie bien particulière. Et vous commencez à repercevoir justement cette forme, enfin ce demi-cylindre qui réapparaît comme par magie. Donc l'idée du lieu, c'est vraiment... elle s'exprime voilà, dans cette petite animation, c'est que quelqu'un qui a pu s'enregistrer sur Internet ou dans un photomaton puisse revenir et pouvoir se géolocaliser dans cette grande galerie.
Voilà, ça c'était le principe. Ça, justement, vous vous rappelez de la poudrière très sèche et accueillante qu'on avait au début de projet. Ça, c'est comme on l'a découvert, donc en arrivant sur les lieux, le jour de la mise en place. Donc ça a duré la mise en place quasiment un mois, un gros mois, je crois. Donc complètement inondé. Et donc là, les questions aussi de pérennité de la place, puisque pour moi, une poudrière se devait d'être forcément sèche pour protéger la poudre. Conçu en tout cas dans ce cadre-là. Il faut constater que à ce moment-là, là, c'était pas le cas puisqu'il y a forcément le vieillissement des infrastructures, etc. D'où les questions que ça pose. Et en tout cas, on a dû mettre en place une pompe à eau, mettre en place des aérations pour limiter au maximum la condensation du lieu. Une nouvelle forme de cylindre qui réapparaît, mais c'est plus anecdotique. C'était là où s'est créée la structure. Du temps suspendu, donc cette espèce d'arche comme ça qui vient accueillir les 120 000 photos. Donc j'explicite là aussi, il y a énormément dans ce type de projet-là qui sont complètement transdisciplinaires entre la serrurerie, la programmation, les lumières, l'impression des photos, le choix des matériaux, etc. C'est assez stressant puisqu'on est censé faire un prototype et que ce prototype potentiellement avec des pièces qui se rechangent, bien sûr, mais puissent durer une cinquantaine d'années. Donc on n'est pas sur 500 ans, on est beaucoup plus petit. Et après, je vous expliquerai comment ce projet est à la fois, conceptuellement une réussite, et après, dans son vieillissement, non pas un échec, mais en tout cas, il soulève plein de questions. Ça, c'est des tests aussi donc, qui sont assez intéressants. Vous voyez tout à fait à gauche la vraie vie, le web, c'est-à-dire la façon dont les gens upload leurs photos, se prennent en photo, et à droite quelque chose qui est beaucoup plus rationalisé, c'est lié au photomaton. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on parle pas de langage ni de, mais rien que dans la géométrie, la formalisation stylistique naturelle du motif finalement lié à l'outil, on a déjà une variation énorme entre les deux rendus. Donc on a commencé à travailler, donc ça c'est mon collègue Arnaud qui travaille également sur le design et la programmation de cette installation. Donc là c'est un état très intéressant, c'est les os, finalement le squelette en gros de la structure. Donc vous avez la serrurerie qui a été mise en place, le système de lumière donc, qui met en avant cette profondeur du lieu, les tests d'intégration justement des différents panneaux, pour en arriver à justement cette image-là, qui n'est pas encore la finale, mais qui est bien avancée, où on ressent cette idée de base de données, photographique, cartographique, mais où on sent bien justement aussi que petit à petit, on se retrouve dans un lieu particulier, lié justement au nombre, à la mémoire, etc., qui pose aussi une symbolique supplémentaire sur juste cette galerie de photos. Ça, c'est une anecdote. C'est un chien, ça fait toujours du bien dans une installation, ça détend. Ce que vous voyez à gauche, plus sérieusement, c'était l'écran de contrôle qui permet à n'importe qui, en tant que public et visiteur, de toujours pareil, dans cette idée de pouvoir prendre la main, soit d'interroger la base de données, soit de se balader à l'intérieur. Le rendu, justement, final, donc c'est ce principe-là. Donc on a une photo qui est sélectionnée, en tout cas temporairement. On a une intégration lumineuse qui est complète sur tout le lieu, et on a ce mur noir au fond qui vient prolonger finalement ce cylindre jusque quasiment à l'infini, puisqu'on a le même derrière, donc on a un effet de miroir infini, comme ça, de reflet. Donc cette scénographie-là, étrangement, c'est là où vous allez comprendre, quand j'ai vu justement le lien qu'elle avait avec les lieux justement de dépôt. Enfin, je ne sais pas pourquoi, enfin, de quelle façon ces images se parlent ou à quel niveau, mais il y a vraiment cette idée de quasiment temporel, de couloir temporel, alors que les deux n'ont pas du tout le même statut. Un est un sanctuaire technologique, l'autre plutôt, on dirait, social ou artistique. Et on y reviendra sur cette image, mais elle m'a frappé. Ça, c'est simplement une petite vue caméra à la main, on va dire, de la poudrière lorsqu'on arrive. Donc on a comme ça un cheminement sous la terre, et on arrive vraiment dans une sorte de
Et ça, c'est particulier, c'est quasiment la réaction des publics en entrant. Il y a une forme de référence au Star Trek des années 80. C'est-à-dire qu'une technologie légèrement désuète, ou un espace désuet, rétro-futuriste comme ça. Mais par contre, on a une forte présence symbolique. Donc là, vous voyez qu'on peut se balader dans la base de données. La lumière que vous voyez, c'est la position où actuellement se trouve l'écran. Et quand vous bougez, vous travaillez dans la base, cette lumière va bouger en vous indiquant là où vous êtes. Ça, c'est la possibilité de rentrer un code. Donc on est dans une poudrière, donc on crée des étincelles dans toute la poudrière quand on déclenche un code, et il y a une photo qui se déclenche, qui s'allume. On a un autre mode qui est très très particulier aussi, c'est qu'on vient simplement, on imagine avoir un doigt, on aime bien avoir des mains très grosses ou des doigts très gros, mais un doigt énorme au-dessus de la structure qui vient éclairer par-dessus la structure. Et ces différents niveaux d'appréhension, soit plastique, soit lié à un code, soit lié à une recherche, font justement de cette entrée-là une forme de redondance sur la façon dont on peut l'interroger. Ce qui est assez drôle également, c'est que ça n'a rien à voir, c'est pareil, c'est anecdotique, mais à l'entrée de cette poudrière-là, vous avez une colonne d'ascenseur. Et cette colonne d'ascenseur, donc on a écrit le temps suspendu dessus, elle renvoie encore à une forme de sanctuarisation, c'est-à-dire de stèle, comme ça, d'entrée à l'intérieur de ce lieu, qui du coup, c'est toujours pareil, parce qu'on oriente une exposition de photo-galerie par un lieu qui a déjà une histoire, ou en tout cas déjà une existence, apporte quelque chose de particulier. Ce qui est important aussi à dire, c'est qu'à l'ouverture de ce lieu-là, il y a une dame qui est venue me voir, qui avait été prise en photo justement avec son mari, et entre-temps son mari était décédé. Du coup, déjà à ce moment-là, pour elle, c'est-à-dire à peine quelques minutes après l'ouverture de l'œuvre, eh ben, cet aspect, mémorial lié à des vrais êtres humains qui ne sont que représentés par des traces photographiques, rentrait déjà en jeu. Et du coup, pour elle, ce lieu, je sais qu'elle revient régulièrement, et non pas parce que son mari est là, mais parce qu'il porte ce lieu quelque chose de particulier. Je voudrais finir par une petite phrase, en gros, que j'ai détournée de l'article, c'était « La radioactivité ressemble beaucoup à l'ignorance », justement parce qu'à forte dose, donc elle tue très vite, et à plus petite dose, elle tue encore, mais plus lentement, ce qui rend difficile l'identification du lien entre la cause et la conséquence. Et de mon point de vue, justement, l'éducation, le partage d'une mémoire vivante, la transmission, et aussi notre héritage écologique, sont une grande partie du remède sur la façon de pérenniser justement une relation à la planète qui peut vivre sans nous, mais en tout cas qui peut aussi vivre avec nous, pourquoi pas. Voilà.